Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette année 2020, cette nouvelle année. Donc voilà, j'espère qu'on va repartir sur de bons pieds. J'espère que vos résolutions dureront toute l'année, hein. Bon, ça m'étonnerait, excusez-moi, mais bon, on en a toujours beaucoup au début et puis voilà, hein, le pourcentage de réussite est minime, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, on part avec de nouvelles bonnes intentions et on va voir si on les retrouve dans vos cartes pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Alors, première partie générale et deuxième partie sentimentale. Donc, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le général, je vais vous donner un petit indice. Voilà, je vous mettrai ce coquillage sur la vidéo. Comme ça, vous la repérerez tout de suite. Vous verrez que c'est le tirage sentimental. Donc voilà, vous, si le général ne vous intéresse pas, avec l'aide du curseur, vous avancez la vidéo et vous arriverez sur le sentimental. Donc c'est une huître, hein, c'est deux huîtres qui ont deux coquilles d'huîtres qui ont font fusionner. Donc ça me rappelle la fusion, la communion de deux êtres qui s'aiment. Voilà, donc pour moi ça représente le sentimental. Je ne sais pas si on le voit bien, vous voyez, c'est super. Hein. Voilà, je vous montre mes petites trouvailles. Eh oui, moi je suis encore une gamine, je passe mon temps à regarder les bords de mer ou peu importe, cailloux ou terre, je ramasse tout ce qui m'inspire, tout ce qui me plaît, comme si c'était un trésor. Donc c'est ça, garder son âme d'enfant. Et je vous le conseille parce que ça apporte beaucoup de bonheur. Donc on y va. Alors nous avons la lumière. Essayez de trouver de la place. Voilà, la lumière, la magie, l'éclosion, la protection. C'est fou ce que je rencontre cette carte, la protection, sous les différents tirages. Je la rencontre énormément. Alors, stabilité. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est impeccable. Fertilité. Voilà. Bon, allez, voyons ce que ça donne. Bon, déjà, vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé, je vous dis ça parce que bah, forcément, il y a la lumière. Vous êtes éclairé parce que cette carte peut parler d'illusion. Vous avez peut-être été trompé, peut-être vous êtes fait vous-même des illusions sur une situation, en tout cas, quelque chose de pas clair, parce qu'on vous la rendait. Comme on peut dire, on vous la rendait assez brumeuse, assez. Par manque d'informations, par exemple, ou une situation où vous n'arrivez pas à comprendre un comportement, ou vous avez vu quelque chose un projet que vous êtes imaginé beaucoup plus beau que ce qui pouvait être mis en place, ou voilà, vous êtes illusionné envers les sentiments d'autres personnes, envers une situation qui vous paraissait bien plus belle que ce qu'elle est. Voilà, il y a une notion en tout cas de vous tromper ou d'être trompé. Et là, grâce à cette carte, on voit que de toute façon, vous allez avoir la lumière qui va vous accompagner, qui va vous permettre d'y voir clair. Après, c'est peut-être grâce à cette lumière aussi, parce que aussi qui va vous permettre de prendre conscience que c'est votre foyer, votre petit cocon qui est le principal et que c'est là que vous pouvez vous ressourcer. C'est souvent quand on a des soucis, des problèmes, des malheurs, des difficultés, qu'on essaye de se réfugier quelque part. Et là, je pense qu'il y a des périodes qui vous ont mise dans cet état-là et vous êtes rendu compte, vous avez pris conscience que votre cocon familial, votre maison représente votre protection, votre bulle de douceur, votre bulle de bien-être où vous pouvez laisser de côté tout ce qui est difficile. Donc, ça peut être aussi une révélation pour vous par rapport à ce que vous avez pu vivre, une révélation importante, une mise en lumière de votre foyer, c'est possible. En tout cas, là, il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose que vous allez ressentir, digérer et
Et de là, vous allez prendre des... comment dire, des... Quand on a des... mince, excusez-moi, j'ai un blocage. Quand on a des difficultés, des problèmes à résoudre, eh bien, bon, voilà, c'est des blocages, c'est des difficultés, c'est des obstacles à surmonter. Mais en fin de compte, on en tire des... vous voyez le mot que je veux dire? Mince, on en tire des... une raison, on en tire des... mince, je trouve pas le mot, hein. Pas des conséquences, mais des... notre expérience nous permet... Ben, on en tire de l'expérience. Sinon, je ne vais pas avancer. On en tire une certaine expérience. Et de là va découler eh bien, un nouveau fonctionnement, une nouvelle, de nouvelles pensées, de nouvelles façons d'appréhender les choses, une nouvelle vision de la vie, de ce qui est important pour nous, dans tous les domaines, hein, bien entendu, c'est dans le général, ce qui va permettre du nouveau chez nous, d'où l'éclosion. Alors, c'est aussi une carte de printemps, peut-être qu'au printemps, il y a quelque chose qui va démarrer. C'est possible parce que là, je pense qu'à partir du mois de janvier, il y a une mise en place de quelque chose, d'une envie, d'un projet, ou même sans que vous en ayez conscience, une évolution dans un domaine particulier qui va se faire lentement, pas à pas, on le voit avec la tortue. Donc, il y a, c'est la carte de la fertilité, donc il y a quelque chose qui va naître, qui va grandir, qui va être de plus en plus beau, de plus en plus gourmand, de plus en plus important dans votre vie, mais petit à petit. Et il y a une notion aussi de protection. Ce qui va grandir petit à petit, vous allez le protéger. On l'a encore avec cette carte. Donc vous-même, vous allez le protéger. Vous allez porter cette évolution en vous. À bout de bras, dans vos mains, mais tout en le protégeant contre votre cœur. C'est l'image que je me fais, hein. Et en plus, vous avez cette protection, peut-être la protection divine, la protection de là-haut. En tout cas, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce qui va éclore de vos difficultés, tout ce qui va être mis en lumière d'important pour vous, vous allez le protéger, ça va être protégé. Et grâce à cela, il y a une grande stabilité qui va arriver dans votre vie. Je trouve ce tirage très joli, très doux. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je vous dis mon ressenti. Donc c'est quelque chose de très positif et de doux dans cette évolution. Alors vous allez mettre les choses en place aussi, peut-être consciemment là, mais il n'y a pas de notion de vous battre, pour le coup il n'y a pas de notion de difficulté, de... non, ça va être petit à petit, voilà, avec sagesse je pourrais dire, avec sagesse, avec douceur et protection. Voilà, comme un joli bourgeon qui va commencer à éclore. Donc très joli tirage, je vais rajouter des cartes. Nous avons la renommée, le départ, le cloître. Donc on voit qu'il y a eu un certain isolement. Je pense que vous êtes isolé pour justement faire un petit peu le bilan de tout ce que vous avez pu vivre, pour trouver des solutions, pour trouver des idées, pour trouver... de nouvelles directions, où il y a eu une nécessité de vous isoler. Alors, aussi peut-être une sensation d'isolement face à vos problèmes antérieurs aussi. Vous n'êtes peut-être pas senti aidé, pas senti soutenu, que ce soit dans le relationnel, hein, familial, amical ou professionnel. Une sensation soit d'enfermement, soit de solitude, soit d'avoir été un peu lâché, ou vous-même vous êtes mis en isolement, mis un peu à part pour pouvoir penser un peu, faire le bilan, voilà, de tout ce que vous avez vécu. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ. Vous lâchez prise sur vos soucis d'avant, vous laissez de côté tout ce qui ne vous convenait plus. Il y a une notion aussi de redémarrer quelque chose, redémarrer ou quitter une situation. Soit vous lâchez tout, vous quittez du professionnel, vous quittez quelqu'un dans le relationnel, vous quittez
Peut-être votre région aussi, il y a une notion de laisser derrière et de redémarrer quelque chose de tout nouveau ou redémarrer une situation qui était en stand-by. En tout cas, là, on voit qu'il y a de toute façon, soit à la suite de ce redémarrage, de ce nouveau départ, ou soit là, vous commencez avec une certaine renommée. C'est-à-dire que vous avez là les honneurs parce que vous êtes battu pour ça. Vous avez réussi à tenir le bateau à flot, par exemple. Au moins, vous avez réussi à sauver les meubles, hein, comme on dit. Que ce soit là pareil, hein, dans tous les domaines. Vous avez fait le nécessaire. Et là, vous avez les mérites. La renommée et les mérites. Alors, c'est peut-être justement grâce à ces mérites que vous allez avoir les renommées, vous voyez, c'est et vous allez le crier un petit peu haut et fort. Peut-être là, c'est une notion de publicité, ou en tout cas de le dire autour de vous que vous êtes battu pour ça et que vous avez réussi, vous avez envie de partager votre joie, et on vous le rend bien de toute façon, hein, on vous le rend bien. Là, il y a vraiment une notion. Alors, soit vous êtes effectivement battu et maintenant que vous avez mis les choses en place et que vous réussissez ce que vous voulez, que vous le claironnez partout et que vous en parlez parce que vous voulez partager cette joie, maintenant vous pouvez mettre en place ce nouveau départ, ce changement, parce que vous avez réussi à retomber sur vos pattes et à pas tout perdre. Donc, vous repartez avec une base. Et vous redémarrez quelque chose, ou soit c'est ce redémarrage, ce départ, ce changement de cap qui vous fait atteindre cette renommée. En tout cas, il y a de la réussite et ça va vous faire sortir de cet isolement-là, on le voit, hein. Après cet isolement, ces réflexions nécessaires, eh bien, vous repartez vers un nouveau départ et vers une renommée. Donc c'est très positif. Vous faites les choses dans l'ordre. Vous êtes capable de mettre en pause, de vous arrêter, de vous isoler, de lâcher certaines choses pour redémarrer avec plus de force, plus de confiance, et après de bonnes réflexions pour retrouver cette stabilité. Là, ce que vous avez là, votre réussite, elle est protégée parce que vous avez la renommée qui vous accompagne, donc c'est important. Vous avez là, pour le coup, une reconnaissance, des appuis. Donc, du positif. La lumière vous accompagne dans ce cheminement. Alors, on a en carte, soyez créatif. Donc, celle-là, alors là, je l'ai très souvent, mais ce qui est logique, parce que la création est importante. Alors, on voit que c'est à travers l'art. L'art, je le dis souvent, ça ne veut pas dire créer des œuvres d'art magnifiques. Ça veut dire se servir de tout ce qui est artistique, mais avec n'importe quoi, dans la cuisine, vous servir de petites fleurs qui traînent, de feuilles d'arbres pour faire une mosaïque, peu importe, faire un gribouillis sur un dessin. Pendant que vous faites ça, vous lâchez l'ego. Vous lâchez votre esprit, l'engrenage qui est dans votre esprit qui vous fait tourner en rond, vous lâchez tout ça, vous créez du vide, du silence dans votre esprit et du bien-être. Donc ça, il faut toujours être dans ces moments-là de temps en temps. C'est pour ça que cette carte ressort très souvent, parce que à travers la création, notre sens artistique, parce qu'on a tous un sens artistique, eh bien, ça nous permet beaucoup de choses positives. C'est nécessaire à tout être humain. Alors, j'ai la carte Aimez votre corps. Dites, je suis désolée. Bon, là, il faut être capable, effectivement, de comprendre et d'accepter ses erreurs et de présenter ses excuses. Là, on vous le dit pour vous, les Gémeaux, je ne sais pas. Ça doit vous parler. Pour certains, il y aura nécessité de dire qu'on est désolé, même si on n'est pas coupable de désolé d'avoir fait du mal à quelqu'un parce qu'on a choisi une autre direction, d'autres choix. Il y a toujours des conséquences, il y a toujours l'équilibre entre le bien et le mal.
Voilà, quand on fait quelque chose, il y a toujours son contraire, donc on peut avoir fait du mal à quelqu'un, avoir blessé quelqu'un, involontairement ou volontairement, hein. En tout cas, c'est bien d'en prendre conscience et d'être capable, là aussi, de mettre son ego de côté, de présenter ses excuses, de dire qu'on est désolé d'avoir fait du mal, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement, par exemple. Ou voilà. En tout cas, c'est important et c'est peut-être aussi important pour recommencer une nouvelle année 2021, de partir sur de bonnes bases aussi, d'être capable de résilience quelque part. Et avec la carte d'aimer votre corps, ben celle-là, je l'aime beaucoup parce que ben, tout le monde a des complexes. Donc il va falloir vous aimer aussi bien intérieurement qu'extérieurement, aussi bien dans vos défauts de caractère. Il faut les accepter, même si on essaye de les améliorer, il faut quand même les accepter. Il faut accepter son côté positif et négatif parce qu'il fait, partie de nous-mêmes. Même si voilà, on essaie d'être meilleur de jour en jour, il faut quand même accepter les échecs parce que parfois on n'est pas bon. Et ça fait partie de l'être humain. Et puis, il faut aussi s'accepter extérieurement. Il faut accepter ses défauts, ce qui ne nous plaît pas en nous, pour pouvoir l'accepter aussi chez les autres. C'est s'aimer pour pouvoir aimer les autres aussi, les accepter dans leurs différences physiques. Donc, il y a un travail sur vous-même, oui, pour vous accepter, accepter vos défauts. Voilà, et puis ça me parle pour les gens qui sont mal dans leur peau. C'est important d'essayer d'améliorer ça pour notre propre bien-être et pour pouvoir irradier irradier plus de lumière et donner plus aux autres. Tant qu'on est mal dans son corps, dans sa tête, on ne peut pas donner. Et on ne peut pas être aussi dans cette résilience et dans ce désir de reconnaître ses torts, ses fautes et le mal qu'on a pu faire aux autres. Donc c'est un tout, hein. Et voilà. Alors on va passer maintenant au sentimental. Non, ça je le laisse, hein. Petit Gémeaux. Alors, qu'est-ce que va vous dire le sentimental? Donc, on a avec le ou, on a la carte de le mot-clé, la permanence. L'acajou, on a la confiance en soi. Et on a avec le mûrier, prudence. Donc, on va voir ce que nous disent ces cartes. Bon, à première vue, pour moi, la permanence là, c'est si j'interprète que les mots-clés, hein. C'est le manque de confiance en soi. Vous avez un manque de confiance en soi qui est permanent et qui et cette carte-là vous dit d'être prudent par rapport à ça parce que ça va vous jouer des tours sentimentalement, aussi bien pour une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire que dans votre couple si vous êtes dans ce fonctionnement. Parce que le manque de confiance en soi entraîne, engendre des comportements négatifs. De l'agressivité, de la jalousie, des comportements qui vont déséquilibrer la relation amoureuse et qui vont vous desservir. Donc voilà, déjà la première interprétation. Ensuite, je vais vous lire les cartes. Alors pour le ou, la permanence, une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence, va vous protéger des mauvaises influences. Non, excusez-moi, je recommence. C'est difficile de lire la carte parce que c'est un peu dans tous les sens. Une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Ensuite, une épreuve devrait vous rendre plus fort. Élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. D'accord. Méfiez-vous des gens malhonnêtes ou sans scrupules, les beaux jours vont revenir. Donc on voit quand même que c'est plus une carte pour vous prévenir d'être méfiant, parce que là on voit autour de vous, et d'ailleurs on voit que votre foi, ne serait-ce que dans... Alors,
Bien entendu, on parle de religion, on parle aussi de spiritualité, mais ne serait-ce que votre foi en votre amour, en votre capacité à rencontrer l'amour, ou votre capacité en l'amour, votre foi en votre couple, en votre histoire d'amour que vous avez. Celle-ci, elle va vous influencer, elle va vous sauver quelque part. De ce problème de confiance en soi, parce que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas cette confiance en vous, ça vous pose des problèmes, mais en même temps, vous croyez en votre histoire d'amour, l'un n'empêche pas l'autre. Et cette fois, en tout cas, ce manque de confiance en soi, on vous dit d'être prudent parce que il va y avoir des gens malhonnêtes autour de vous, peut-être des gens jaloux du bonheur que vous avez en couple, en amour. Peut-être jaloux, peut-être que c'est une personne qui tourne autour de votre conjoint ou votre conjointe qui veut briser le couple, c'est peut-être une tierce personne, c'est peut-être. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas votre bonheur en tout cas, ou qui n'a pas du tout envie que vous rencontriez quelqu'un parce qu'elle a des vues sur vous. Ça ne se fait pas, mais en tout cas, si vous êtes en début de rencontre, il y a peut-être une personne qui va vouloir casser tout ça parce qu'elle, elle veut prendre la place. Il y a quelqu'un qui veut détruire. En tout cas, votre domaine sentimental. Et on vous dit d'être méfiant parce que vous risquez d'être sous influence, parce que vous manquez de confiance. Donc, ça sera facile d'instaurer en vous une certaine jalousie en disant, ah, dis donc, elle est pas mal, hein, celle-là. Ou c'est facile de planter une petite graine de jalousie en vous parce que. Vous avez foi en votre histoire d'amour, mais en même temps, vous complexez, vous n'avez pas confiance en vous par rapport à votre intellect ou par rapport à votre physique, vous êtes toujours sous-estimé. Donc, il est très facile de mettre la zizanie dans votre histoire amoureuse ou de vous bloquer ou de vous bloquer pour aller vers une histoire. Voilà, vous êtes quand même fragile de ce côté-là. Donc, on dit quand même que votre foi va vous sauver tout ça. Parce que même si on instaure chez vous des doutes qui risquent bah, malheureusement d'avoir un impact sur l'équilibre de votre vie sentimentale, vous avez quand même foi en votre amour et c'est ce qui va être le plus fort. Donc tant mieux. Mais bon, voilà, faites attention, c'est ce que les cartes vous disent de toute façon, hein. Donc on va voir, hein. Ensuite. Nous avons le monde, l'archange Gabriel, qui va être là pour vous protéger face aux hostilités. Donc on voit bien qu'il y a des hostilités là. Alors pour moi, c'est des hostilités, pas dans votre couple, mais envers une tierce personne. Le pourquoi, je ne peux pas vous dire, il y a tellement de situations, mais il y a une tierce personne. Alors une tierce personne dans le couple. C'est-à-dire amant ou maîtresse, ou simplement une tierce personne qui est jalouse de votre bonheur. Hein, c'est pas forcément, il n'y a pas une triangulaire forcément, mais il y a une mauvaise personne autour. Vous allez avoir accès à cette ombre au tableau, parce que là je pourrais continuer sur le premier tirage, il y a quand même une suite quelque part, ou alors c'est autre chose, mais de toute façon là il va y avoir des hostilités. Extérieur par rapport à cette personne, vous allez vous fâcher avec elle, il va y avoir des hostilités parce que pour moi, vous allez vous retirer un petit peu du monde, vous allez prendre de la distance pour réfléchir à tout ça, pour analyser et y voir plus clair. Et c'est de là que vous allez comprendre l'hostilité de cette personne, qui peut, en tout cas, la malhonnêteté au départ, qui peut être sous-jacente, très cachée, très maligne. Très malhonnête, et à partir du moment où vous allez voir plus clair, là il va y avoir vous allez déclarer les hostilités. À moins, effectivement, pour certains gémeaux, ça peut être une prise de recul par rapport à votre conjoint ou conjointe dans le couple parce que, effectivement, il y a un désaccord, il y a des hostilités. Et vous allez prendre du recul, soit physique, c'est-à-dire que vous allez partir quelques jours ailleurs, quitter le toit conjugal,
Ou soit, si vous n'êtes pas sous le même toit, peut-être qu'il y a une prise de recul par rapport. Vous allez être en pleine réflexion, donc vous allez vous isoler. Ou alors, si vous n'êtes pas en couple, si vous ne vivez pas ensemble, voilà, si vous ne vivez pas sous le même toit, il y aura un certain silence pour être dans la réflexion et comprendre ce qui se passe. En tout cas, il y aura des hostilités, il y aura de fortes explications. Donc, je ne sais pas où ça mène. Je vais quand même regarder vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Une petite carte. Qu'est-ce que je vais prendre pour voir un petit peu sur les hostilités, ce que je peux. Prendre ça. Ah, bah écoutez, voilà, la chance. Bon, bah, je pense que voilà, ça, il y aura un coup de chance, extérieur ou venant de l'un ou de l'autre, ça sera positif. Les hostilités ne vont pas rester, donc ça ne sera pas bien grave. Donc je suis super contente, j'ai eu raison de tirer une carte de plus parce que de ne pas savoir la suite, ça me gênait. Donc on voit que là, ça va être positif. Donc vous inquiétez pas, mais. Pour certains, il va y avoir ça dans le couple, c'est clair. Donc ensuite, les trois dernières cartes, nous avons problème, ben oui, hein, voilà, donner, l'amour de soi, ben vous voyez, l'amour de soi revient, hein. Là, il y a encore un problème à ce niveau-là. Donc l'amour de soi, votre, alors il y en a un des deux qui donne, l'autre, ça lui suffit pas. Celui qui a ce problème d'amour de soi, et on l'a vu dans une carte antérieure avec l'oracle des arbres magiques, il y a une personne dans votre histoire d'amour qui manque de confiance et ça a un gros, gros impact sur le couple. Il a beau recevoir des cadeaux, l'autre est dans le témoignage d'amour, il le montre, il donne des cadeaux, il a des témoignages, des caresses, vous voyez, il écrit des petits mots, il montre son amour, mais l'autre est tellement dans cette manque de confiance de soi, dans cette peur de ne pas être à la hauteur, de perdre l'autre, etc., que ça pose des problèmes dans le couple. Parce que celui qui donne n'a pas l'impression que ça porte ses fruits, il n'a pas l'impression que ce qu'il donne est reçu autant qu'il le voudrait. Il a beau, je sais pas, il peut dire je t'aime, l'autre est pas plus rassuré que ça, il le reçoit, mais ça ne lui fait pas plus plaisir que ça parce qu'il le croit que moyennement, parce qu'il ne se sent pas capable d'être aimé à ce point-là, vous voyez? Pour celui qui donne, il est frustré et celui qui reçoit ne reçoit pas parce qu'il est dans ce problème d'amour de soi. Donc faites attention parce que voilà, ça crée un déséquilibre dans le couple et ça peut engendrer des problèmes beaucoup plus graves. Donc faites attention à ça, on le voit, c'est revenu plusieurs fois. Donc chacun ses problèmes, il y a différentes histoires. Chaque Gémeaux ne vivra pas la même chose, effectivement, mais voilà, il y a certainement une situation qui va résonner en vous. Donc j'espère que tout ça passera. On le voit, hein, quand même, il y a un coup de chance, hein, de toute façon. Donc tout ça est rattrapable et c'est pas bien grave. Donc au moins, cette guidance a le mérite de vous prévenir, de vous mettre face à vos difficultés ou aux difficultés de l'autre, dans votre relation ou dans la relation qui va arriver. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les Gémeaux, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les semaines, pour les guidances hebdomadaires ou alors pour le mois prochain. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit mot, à vous abonner, à liker. Voilà, ça me fera plaisir. En tout cas, les abonnements sont gratuits et vous cliquez deux fois sur la petite cloche. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.